Le muse a 10 ans et moi aussi. Je m'appelle Louis. Je vais vous présenter une affiche d'Arak en couleur. Quoi ? Cette affiche en couleur représente une voiture de course de la marque d'Arak. Les couleurs sont vives. On a du rouge, du bleu et du jaune. Les lignes créent une dynamique qui donne l'impression que la voiture est en mouvement, presque prête à décoller. Qui ? Alexandre Darak est un industriel. Il a d'abord dirigé une entreprise qui produisait des bicyclettes Gladiator avant de se spécialiser dans les voitures à essence. Il va battre des records de vitesse et remporter des compétitions en atteignant les 198 km/h. C'est comme cela qu'il va devenir célèbre et commencer à vendre beaucoup de voitures. Quand ? En 1901, Alexandre Darak crée la première voiture française produite en série. En 1904, la société Darak fournit 10% de la production française de voitures et devient rapidement le troisième producteur national après Renault et Peugeot en 1909. Où l'usine Darak est construite au 33 quai de Suresnes, actuel quai Gallieni. Pourquoi ? Cette voiture me fait penser aux voitures de collection que l'on peut voir au salon de l'automobile, mais aussi aux 24 heures du Mans, parce que les voitures d'Arak ont gagné beaucoup de courses dans les années 1900. Plus tard, j'aimerais conduire des voitures de course car cela me fascine.